Bonjour. Alors, pour anticiper toutes les questions là-dessus, les petites questions que j'ai sur la tête sont des Nekomimi, c'est un jouet japonais. Il y a une base qui est Neurosky Mindware, qui est une première interface neurale directe bon marché, qui est américaine. Et dessus, c'est les japonais qui ont greffé les petites oreilles. Donc ça s'appelle des Nekomimi. Et en fait, il y a deux électrodes ici, enfin une électrode qui mesure mon activité mentale. Donc elle bouge en fonction de mon activité mentale. La seule chose qu'elle mesure, c'est que quand je suis en état de méditation, elles vont se coucher. Ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais c'est juste pour anticiper les questions. Après, je pourrais vous donner plus de détails sur mes Nekomimi. Alors, je vous invite à un petit voyage dans la noosphère à travers mon Noho Museum, le musée du Noho. Moi, je suis un artiste cyberpunk et vous allez entrer dans mon monde. Alors, normalement, ce que vous voyez est à la fois une œuvre d'art numérique et un support pédagogique, c'est-à-dire je donne des cours dans les grandes écoles d'art d'ingénieurs avec ça comme support, c'est plutôt d'utiliser PowerPoint. Et étonnamment, d'ailleurs, je suis un des seuls profs au monde actuellement, depuis 2003 à faire ça, je pensais que tout le monde allait s'y mettre. Et donc, je donne à mes étudiants l'univers virtuel dans lequel nous allons nous balader, ce qui est beaucoup plus performant. Ça serait beaucoup mieux si vous l'aviez vu sur vos ordinateurs, là vous allez rester un peu passif comme devant du PowerPoint. Et on va se promener dans mon univers, donc ça c'est mon univers graphique, hein, l'univers d'auteur. Et je me définis comme un artiste cyberpunk. Alors, qui sait ce que ça veut dire cyberpunk? Alors c'est un mot important parce qu'il est composé du préfixe cyber et du suffixe punk, on va dire. Et un cyberpunk, alors là, c'est des galeries qui nous servent à expliquer des choses. Alors c'est 4h30, la balade complète dans le muséum. Rassurez-vous, on ne va pas faire ça, on va aller assez vite. Je vais juste vous parler du cyberpunk, parce qu'en fait, un cyberpunk, alors voilà, j'ai fait un tableau ici, qui me permet de parler des cyberpunk, là, voilà. Donc, c'est un mot qui apparaît en 1983, et en fait, ce sont des voyous cybernétiques. Littéralement, punk, ça vient de l'anglais du 18e siècle, ça veut dire voyous. Et en fait, le cyberpunk, c'est des voyous cybernétiques. Et en fait, en gros, la plupart des artistes numériques de mon époque, et même maintenant, sont des voyous cybernétiques. D'ailleurs, je vais vous poser une question. Qui parmi vous n'a pas sur son ordinateur un logiciel piraté, un film piraté? Qui n'en a pas? Une personne. Deux. Impressionnant. Alors, tous les autres, vous êtes des cyberpunks. Vous êtes tous des voyous cybernétiques. Et alors, non seulement je suis un voyou cybernétique, mais je suis aussi un hacker. Hacker, ça veut dire hacher. On va trancher. Et en fait, c'est un mot qui a une ambivalence avec pirate, hein, pirate informatique, mais je préfère hacker. D'ailleurs, tous les artistes sont des hackers, on l'a vu justement tout au long de cette matinée. C'était très intéressant de voir comment les artistes découpent. Et à partir de là, je vais pirater, j'ai l'habitude de hacker, de pirater tout. Tout ce qui m'éclate, tout ce qui m'intéresse, comme beaucoup d'auteurs. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais hacker VS. Alors, on va aller dans les galeries, on va faire une petite balade, on va aller rejoindre Velasquez, on va passer dans les différents niveaux. Alors, je vais aller un peu plus vite, parce que j'ai des macro-commandes qui me permettent de sauter de niveau en niveau. Donc, on va zapper l'introduction liée au transhumanisme et à la singularité, on va zapper l'histoire du vivant et de l'humanité, on va zapper les grands mythes avec l'art. L'arche d'Atrasis qui anticipe l'arche de Noé. Et puis on va aller directement, voilà, dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, je remonte l'Antiquité, je ne vais pas vous faire tous les tableaux, bien sûr, hein, mais je vais aller à un endroit précis. C'est, on va rentrer dans le tableau de Velasquez. Mais alors je vais vous raconter comment Velasquez est un aristopunk. Moi je suis cyberpunk et Velasquez est un aristopunk. Alors, j'ai découpé Velasquez. Je suis pas tenté de découper Velasquez. Alors, vous connaissez tout ce tableau, le menhir, qui s'appelle la cour du roi d'Espagne. Voici, donc c'est original. Alors, qui connaît le secret, le fameux secret du tableau, qui est archi connu, mais. Hein, levez la main. Vous êtes trois. Donc, ça vaut le coup que je vous explique quel est le secret du tableau. Alors, on a un tableau de cour à l'origine, on sait qu'il a eu deux étapes. Donc là, on va faire un découpage du
disséquer un peu le tableau. Et on sait qu'à l'origine, il n'y avait pas tout ça. C'était l'infante allait devenir la reine d'Espagne. Et donc là, il y avait un grand rideau rouge. Et plus tard, Velázquez va ressortir ce tableau des placards et va peindre tout le reste. Il va effacer le jeune page qui donnait son diplôme de future reine à l'infante. Et voilà. Et il y a un truc très particulier, donc j'ai découpé le tableau. Donc j'ai découpé tous les petits personnages du tableau. Et j'ai recomposé la scène en 3D. Alors ce qui est rigolo avec la 3D, parce que c'est une perspective frontale, qui respecte évidemment la règle de la Renaissance, on peut quasiment obtenir de la décomposition quasi scientifique de l'espace qui est né. Et là, vous voyez, on va rentrer dans le tableau, je vais vous montrer déjà le secret officiel du tableau. Qui Velázquez est-il en train de peindre? Vous voyez, Velázquez, il est là. Ceux qui ne savent pas, Velázquez, il est là. Là, il a peint, il s'est peint la croix de l'arbre de Santiago, sur le plastron, c'est important. Il s'est peint aussi avec une épée, c'est très important, et une bourse sur le côté, qui n'est pas une métaphore sexuelle, quoique, mais qui sont surtout les clés du palais. Okay, les clés du palais. Donc c'est pas mal, hein, moi je me mets à la place de Velázquez, hein, je me peins en autoportrait, le tableau s'appelle La famille du roi d'Espagne, et je me peins avec la famille du roi d'Espagne, dans le palais, avec les clés du palais, une épée et l'ordre de santé. Alors on regarde, qui Velázquez est-il en train de peindre? Alors on regarde, on s'approche de Velázquez, et on s'aperçoit qu'il est en train de nous regarder nous. Donc c'est nous qui sommes en train de peindre. Mais qui sommes-nous? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas, parce que vous voyez, le tableau nous tourne le dos. Le tableau qui est en train de peindre nous tourne le dos. Mais, c'est là qu'est le premier trick du tableau, de cet Aristopunk, c'est que il a peint au fond de la pièce un miroir. Et outre la caméra pour voir un miroir, si on se retourne, on voit se refléter dans le miroir le tableau. Et qui y a-t-il sur le tableau? Et bien, il y a le roi et la reine d'Espagne. Donc, chaque fois que vous vous tenez devant ce tableau, vous êtes, nous sommes, les avatars du roi et de la reine d'Espagne. Alors ça, c'est quasi une explication officielle, hein, j'invente rien. Il y a un débat. Il y a un débat, c'est intéressant, c'est est-ce que le miroir reflète le roi et la reine d'Espagne qui se tiennent donc sur le côté droit de la scène, ou est-ce que le miroir reflète le tableau? Moi, quand j'ai décomposé la scène, quasi immédiatement, le miroir n'a pas reflété le roi et la reine d'Espagne qui se tiendraient là-bas, devant lesquels s'interposerait tout le monde, mais a rejeté le tableau. Donc moi, je pense que ces tableaux, et la plupart des graphistes, d'ailleurs, le pensent aussi, pour une raison très simple, c'est que lorsque vous regardez le tableau, le centre du tableau, comme il a brûlé, une partie du tableau a été détruite par l'incendie, il était un peu plus grand sur le côté droit. Mais vous voyez que le centre du tableau, le miroir est à gauche. Donc le miroir ne peut que, si vous tenez à la place d'un scrutin virtuel au centre, le miroir ne peut refléter que la partie gauche du tableau. Alors, à cet argument-là, souvent on me dit, ouais, non, mais Yann pense bien que Velázquez, son but, c'était pas. Effectivement, on a envie de croire, on a envie d'y penser, et c'est plus agréable, d'imaginer que c'est purement conceptuel. C'est-à-dire que Velázquez a décidé que le miroir reflétait le roi et la reine, et on s'en fout de respecter les règles de la perspective et les règles de l'optique. Alors, oui et non, parce que c'est quand même un peintre de la Renaissance qui respecte dans tous ses tableaux assez rigoureusement les règles de la perspective. Mais il y a une raison, il y a un truc dans ce tableau déjà qui est intéressant, un argument, c'est qu'en fait, c'est sans doute une reproduction de l'atelier de Velázquez. Parce qu'évidemment, il n'a pas peint ce tableau, c'est pas une photo, il n'a pas fait poser tout ce monde-là en même temps pour faire le tableau, c'est une composition. En fait, pourquoi, dans les ateliers de peintres, il y a toujours un miroir, souvent un miroir? Moi, j'ai des potes, ils ont même mis un rétroviseur sur leur table à dessin. Qui sait? Et c'est expliqué dans le traité de la peinture de Vinci. Hein, c'est pas moi qui l'invente. Alors, c'est tout bête, et vous le savez, vous avez déjà dû en entendre parler quand vous dessinez. Si vous regardez votre œuvre dans un miroir, vous voyez tous les défauts. Et donc, le miroir-là est placé exactement, vous voyez, je suis là, je suis en train de peindre sur mon chevalet. Et je fais un pas comme ça, je regarde, je vois mon tableau se refléter dans le miroir. C'est-à-dire le miroir est pile dans l'axe
pour que Velázquez puisse le voir à l'envers. Donc il n'a pas besoin d'être un coup dans le fait que le miroir soit à ces endroits permet de le voir assez rapidement. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais... Attends, on va rentrer justement dans le hacking du tableau, le hacking du tableau. Ce que je vais faire, alors, juste pour aparté, hein, alors c'est un tableau, on pourrait rester toute la journée dessus, hein, c'est rempli de secrets, de mystères, etc., c'est absolument génial. Il s'est sans doute inspiré des histoires d'infinie de Van Dyck, qui précède, où on a dans le tableau de Van Dyck un miroir au fond, et dans le miroir se reflète un certain nombre de gens, mais Van Dyck n'a pas été jusqu'à faire la mise en scène, la même mise en scène. Hein. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez dans le tableau de Van Dyck, il y a un petit chien là devant, en bas. Et bien, si on zoome dans le miroir, et bien le petit chien n'est plus. Donc, je pense que c'est un chien vampire. Voilà. Alors, je continue mon hacking du tableau et de Velázquez. Velázquez, donc, on va décomposer la scène, et donc on a Velázquez qui est en train de peindre quelqu'un, quelque chose, dans le roi et l'âme, qui se tiennent donc devant le tableau. Et donc, pour fabriquer cette scène, j'ai découpé tous les petits personnages, je les ai placés, et il s'est avéré que Google... Alors j'avais commencé à décomposer le tableau en 2003, et je ne sais plus en quelle année, ça doit être 2009, 2008, Google a mis en ligne sur Google Earth, pas sur, sur Google Earth, si vous allez sur le musée du Prado sur Google Earth, vous pouvez zoomer sur le tableau, mais pas au micron, mais vraiment au millimètre près, sur la toile du tableau. On peut arriver jusqu'à la toile du tableau. Alors évidemment, j'en ai profité, j'ai hacké cette image, on ne peut pas la prendre complètement. Hein. Donc j'ai été obligé d'aller zoomer sur chaque tronçon du tableau pour la recomposer après avec des systèmes automatiques qui permettent d'assembler les images éparses. Et en zoomant, alors vous voyez, il y a un personnage assez mystérieux, intéressant dans ce tableau, c'est d'un procès Meadow-Velázquez, qui se tient dans l'encadrement de la porte au fond. Alors il est d'autant plus intéressant que Velázquez, alors c'est le grand champion, vous voyez, les perspectives convergent vers le procès Meadow-Velázquez, et il est à contre-jour sur ce blanc qui le met bien en exergue. Alors, quand j'ai voulu décomposer d'ailleurs en troisième tableau, j'ai découvert un truc intéressant, c'est que vous lisez, regardez tous les bouquins d'art qui analysent le tableau, les lignes sont parfaitement dessinées et convergent toutes vers un même point, le même point de fuite. En fait, il s'avère que la chaîne, c'est pas trop regardé. Quand j'ai commencé à chercher le point de fuite, je pense qu'il a été très très vite. C'est-à-dire qu'il a pris un tracé comme ça, il a fait hop, là ça va là ça va là, et il n'est pas rigoureux de façon scientifique. Donc il y a une espèce d'une incertitude sur le point exact du point de suite en dessous du coude de notre procès Meadow-Velázquez. Arras et Foucault, quand il parle du tableau, il dit « Et d'un procès Meadow-Velázquez qui est en train de repousser un rideau au fond de la pièce. » Et en ce moment dans le tableau, ce que ne pouvait pas faire Arras et Foucault, c'était prendre un escabeau au Prado, et puis avec une loupe, elle se collait sur le tableau. Et curieusement, alors là, ça c'est ma grande fierté de hacker, vous allez voir, je récupère et le tableau en def, et je commence à zoomer dessus. Et en particulier, j'arrive sur d'un procès de Meadow-Velázquez. Et là, sur d'un procès de Meadow-Velázquez, je m'aperçois qu'il n'est pas en train de repousser le rideau. Il a la main sur une poignée de porte. Alors là, j'ai eu deux orgasmes. Parce que vous imaginez bien que ce tableau est un des tableaux les plus analysés, les plus chroniqués de l'histoire. Et là, il y a Yann Minou, artiste cyberpunk, tout seul dans son coin, en train de zoomer dessus, et qui découvre un truc qui n'est pas raconté, que personne n'a chroniqué, personne n'a raconté sur ce tableau qui est pourtant ultra analysé, et où le rôle de Don José Meadow-Velázquez dans la composition est important. Et donc là, je découvre qu'il y a la main sur le poignet de porte. Alors vous me direz, bah oui, bon, bah, d'accord, il y a la main sur le poignet de porte. Et alors qu'est-ce que ça change? Il n'est pas en train de repousser le rideau, il a la main sur une poignée de porte. Sauf que je fais une étape supplémentaire, c'est que je décompose le tableau en 3D. Et je suis obligé de respecter les rapports de perspective pour décomposer mon tableau
mouvement 3D. Et donc, lorsque j'arrive à cet endroit-là, j'arrive à la porte. Pour respecter les rapports de proportion, je rentre là-dedans. Et là, c'est le quatrième endroit. Vous voyez la porte, dans l'escalier, la porte est en haut de l'escalier. Elle est où, la poignée? Elle n'est pas à la bonne hauteur. La poignée est à la hauteur pour un enfant ou pour un nain. Or, les enfants et les nains, on a plein d'amis. Donc, je me dis à ce moment-là, bah, ça doit être la chambre de l'infante. Velasquez me dit que je prends chambre dedans, la chambre de l'infante est là-bas. Parce qu'on ne va pas mettre une poignée de porte à cette hauteur-là pour un nain, hein, qui sert à divertir les nobles. Donc, c'est plutôt pour une personne royale qu'on va faire ça. On va s'emmerder à changer la hauteur du poignet de porte. Et c'est un réalisateur récemment, réalisateur Carlitos, hein, qui a fait un très beau, aussi une très belle décomposition du tableau pour Arte, qui m'a révélé la clé qu'il y avait derrière. C'est qu'en fait, cette porte-là, c'est qu'en fait le roi a donné les appartements du jeune roi mâle défunt, hein, qui vient de mourir, à Velasquez. Et donc Velasquez est en train de nous dire de façon cryptée, regardez, je suis dans les appartements du roi, du jeune roi. Mais c'est ultra confidentiel. Alors pourquoi Velasquez fait ça? Donc je vais terminer sur Velasquez à l'extérieur. Et on va juste regarder quelques petits éléments, parce qu'on pourrait rester très très longtemps. Donc je reviens sur la croix de l'ordre de Santiago. Et sa très jolie palette. L'ordre de Santiago était réputé pour être un des ordres de noblesse les plus radicaux d'Espagne. Il faut penser qu'à l'époque, nous on ne connaît pas ça trop maintenant, on va commencer à vivre avec avec des robots, avec notre démysticité cybernétique, on va commencer à se projeter dans la pensée de l'aristocratie du 17e et 19e siècle. Mais à cette époque-là, il faut penser que la plupart d'entre nous, qui ne sommes pas nobles, à part peut-être quelques-uns parmi vous, ben, vous n'êtes pas libres. Nous ne sommes pas libres. La liberté, c'est la noblesse. La noblesse est affranchie. Et elle affirme sa liberté. Non seulement par la noblesse, mais par le fait qu'elle ne doit pas travailler. C'est-à-dire, le problème, c'est que Velasquez aurait bien aimé être noble. Sauf qu'il dit, c'est un prolétaire, c'est un travailleur, donc il ne peut pas être noble, il ne peut pas être un noble. Et la noblesse porte l'épée. C'est-à-dire, un monde noble ne peut pas porter l'épée. Et le roi va, par devers la cour, par devers la ville de la cour, il va même faire intervenir le pape, qui va faire une dérogation spéciale pour Velasquez. Le roi va anoblir Velasquez. Et donc, Velasquez se peint avec l'ordre de Santiago, l'épée, il fait un autoportrait. C'est comme si moi je me faisais un selfie, je ne sais pas moi, dans le salon de l'Élysée, ou dans la salle la plus secrète des services secrets, rien qu'un autre. Il se peint avec l'ordre de Santiago, avec l'épée, avec la bourse. Il est en train de vivre ce tableau, il est en train de dire à la cour, la cour. Je vous emmerde. Non seulement j'étais ennemi directement par le roi, hein, mais je suis avec la famille du roi d'Espagne. Je suis avec les dieux. Et alors il y a un autre truc rigolo par cette question des dieux avec Velasquez, c'est que vous voyez les tableaux qui sont là-haut. On sait ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a une comptabilité, en fait, ils sont très très sombres dans le tableau original. Je les ai éclaircis. C'est en fait des reproductions des martyrs d'Ovide, des métamorphoses d'Ovide, c'est des copies faites par le beau-fils de Velasquez d'un tableau de Rubens et de Jordaens. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces deux tableaux représentent une scène, c'est la scène d'Arachné à gauche, et l'autre, c'est le martyr de Saint-Jean Blanc, Tirésias, je crois. En fait, ce sont deux humains qui sont rentrés en concurrence avec les dieux, et qui se sont fait exploser total par les dieux. Arachné a été transformée en araignée parce qu'Athéna n'appréciait pas qu'elle fasse de la filature mieux qu'elle. Et Tirésias jouait beaucoup mieux de la flûte qu'Apollon, donc il a été écorché vif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on pourrait s'imaginer, moi j'ai envie d'imaginer, parce que justement je découpe le tableau à ma façon, je le reconstruis à ma façon. Et Velasquez est en train de dire au roi, oui, je me mets avec la famille royale, mais je sais où est ma place.
C'est-à-dire que le roi, c'est Dieu. Hein, c'est le Dieu à l'époque. Donc il est en train, il y a une espèce de clin d'œil, un peu secret, entre le roi et Velázquez, où il indique par ses tableaux qu'il sait, qu'il connaît le châtiment s'il se prend trop pour se sent trop proche des dieux. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que ce tableau est assez complexe. Et donc, le dernier élément qui était important, mais je l'oublie, donc je ne sais pas si ça serait grave. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et bien merci.